Jette un œil sur cette photo. Mais c'est lui ! C'est mon mari ! Et qui est cette petite pute qu'il tient par la taille ? Ce n'est pas une petite pute. C'est la fille de son meilleur ami. Et mieux, de son associé. Qui ? Tom ? Lui-même ! Et tu peux parier que quand Tom apprendra que sa fille se vautre dans le lit de son meilleur ami tous les après-midi, il l'écorchera vif. Comment as-tu obtenu cette photo ? C'est un type de l'agence Argus qui l'a prise. Une agence de renseignement ? Tu as mis aux trousses de mon mari un de ces infâmes espions ? Non ! L'espion, je l'avais mis aux trousses d'Elsa, la fille de Tom. Et j'ai été le premier surpris de trouver ton mari dans mes pattes. Le salaud ! Mais toi, d'où t'es venu à l'idée de faire suivre cette Elsa ? Je t'avais bien raconté qu'avant que nous devenions amants, j'avais eu une liaison avec une jeune fille. Eh bien, la jeune fille, c'était elle, cette Elsa. Mais j'ai eu l'impression, au bout d'un moment, que tout en continuant avec moi, elle allait avec quelqu'un d'autre. Et l'autre, c'était justement ton mari. Oh, Tony, le misérable! Mais je suis contente que ce soit lui qui te laisse souffler, cette morveuse. Eh bien, tu seras encore plus contente d'apprendre que cette liaison avec Elsa n'est qu'une couverture. Une couverture de quoi ? Le détective a filé aussi l'associé de ton mari. Et il a appris que Tom et ton Anthony sont amants. Oh non ! Je vais te tuer ! Et tu croyais que j'allais me suicider ? Tu vas être déçu. Je le savais déjà. Eh bien, offre-toi un autre beau fou rire. Tom a le sida. Ce n'est pas vrai. C'est une saloperie gratuite. Oui. C'était une vraie saloperie de les suivre jusqu'à l'hôpital où ils ont passé le test. Mais ça a été payant. Parce que j'ai appris que ton mari aussi a le sida. Pour ça, je le savais déjà. C'est moi qui le lui ai passé. Quoi ? Oui, j'ai le sida, mon cher John. Et je te l'ai refilé à toi aussi. Tu en es sûr ? Regarde-toi dans la glace ! Tu as des taches sur la peau comme une girafe sans cou ! C'est vrai. J'espérais pourtant qu'il ne s'agisse que de la lèpre. Mais toi, comment se fait-il que tu n'aies pas la moindre plaque ? Je suis un porteur sain. Et Tom et Anthony ? Eux aussi. Tu es le seul, John, à être porteur. Pourri ! Adieu, John ! Mais je t'aime. Ne me quitte pas. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime, John. Ce n'est pas moi qui te quitte. C'est toi qui nous quitte. Je vous quitte ? Oui, tu me quittes. Tu quittes le monde.